vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis décoiffée, mais archi contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le site Temu. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, pour information, c'est une vidéo en collaboration avec le site, c'est-à-dire que j'ai tout reçu, les produits gratuitement. Vous aurez tous les liens en barre de description et sachez que vous aurez aussi les prix en barre de description parce que les prix varient en fonction des promotions en cours. Ok, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. S'il y a des liens plus dispo, ça veut dire tout simplement qu'ils sont plus dispo, les articles. J'ai hâte de regarder tout ça. J'ai déjà ouvert le paquet, comme ça on va le découvrir ensemble. J'ai ouvert le paquet, j'ai regardé quelques objets, mais j'ai pas tout regardé, je voulais regarder. Garder un petit peu de surprise pour moi et aussi pour vous, pour que vous voyez du coup mon ressenti en live, on va dire. Donc allez, c'est parti. En premier, j'ai commandé ceci. Alors, je peux vous dire que là, j'ai un deuxième colis pour une deuxième vidéo. Je peux vous dire que le colis est envoyé comme ceci, ok. Le premier ressemblait à une télé cathodique, tu vois, c'était marrant. Mais rien n'a été abîmé. C'est envoyé super rapidement par la poste. Franchement, c'est super rapide. Je vais pas vous faire un blabla sur le site Temu. Je pense que vous connaissez. Vous pouvez trouver énormément de choses. Moi, je trouve que c'est un mélange de Chine et d'AliExpress. Pourquoi Chine? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a énormément de choses, il y a des vêtements pour les enfants, mais il y a plein de choses. Et pourquoi AliExpress aussi? Parce que il y a des choses comme Harry Potter, comme Disney, enfin voilà, il y a ce genre de choses que tu peux pas trouver forcément sur Chine avec des prix vraiment attractifs. Donc en premier, j'ai commandé ça, une machine pour faire des jus, parce que moi j'ai une super, ça commence. J'ai une centrifugeuse à la maison, enfin pas une centrifugeuse mais une machine pour faire des jus et elle est assez grande et du coup j'utilise jamais parce que ça me saoule. À chaque fois je veux faire des tout petits jus. Donc du coup, allez, on se rapproche. On est un peu plus intime. Alors, il y a... Ok, alors il y a une base comme ceci avec un petit chargeur comme ça et ici ce qui va donner du coup l'énergie à la machine. La machine, j'ai trouvé trop jolie, sachant qu'elle existe en plusieurs couleurs. Ok, donc ça, on est dans un colis comme ceci, super bien protégé. Et la machine se présente comme ceci. Franchement, elle est super belle. Alors, comment ça se présente? T'as un petit goulot là. Ok, t'as une petite poignée comme ceci pour tenir. C'est du plastique, mais du plastique super épais, tu vois. Et donc, du coup, comment tu l'ouvres? Ok, d'accord. Alors, t'as ce système-là à l'intérieur où, du coup, tu as la petite lame. On va pas se blesser avec, on va éviter. Donc, du coup, je pense tout simplement que tu mets les fruits ici à l'intérieur. Tu fermes correctement ici et tu branches. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ok, donc t'as même pas besoin. Alors ça, c'est en fait, c'est juste pour le brancher. Oh, c'est... Regarde. Je sais pas si t'en rends compte, mais... C'est aimanté, en fait. Donc ça, c'est pour brancher l'appareil. Franchement, c'est super sympa. Pour te faire ton petit smoothie et tout, ça peut être cool. Je vais tester ça. Je vais tester en direct, peut-être avec un kiwi et une banane. Ça peut être... Oh, je vais faire du jus de pomme à mon fils. Il veut du jus de pomme. Il veut du jus de pomme maison. Donc ça, c'est trop cool. Et si ça fonctionne bien, ça fait 350 ml pour information. Du coup, tu... Ouais, non, après, du coup, tu transfères dans un verre et tu peux boire également comme ça. Par contre, c'est assez lourd, tu vois, donc c'est pas le genre de choses que tu vas mettre dans ton sac, quoi, que tu peux... Enfin, assez lourd, ça va, je me comprends. Mais ouais, tu peux emmener ça directement. Ouais, tu peux emmener ça, du coup, directement au taf, si tu veux. Hop. Je vais le recharger. Ah non, c'est bon. Ok, moi, c'est trop bien. Franchement, je suis super contente. Puis c'est super joli, tu peux même le laisser comme ça dans une cuisine, je trouve ça super top. Bon, super, super contente pour un début. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai choisi plein de choses utiles, enfin oui, j'ai choisi plein de choses utiles, sachant que tu peux trouver d'autres choses un peu plus futiles. Alors, ça se présente comme ceci, le packaging on s'en fiche un peu. C'est une lampe, alors t'as un petit chargeur comme ceci, enfin une petite prise, vraiment toute petite hein. Elle est toute rikiki. T'as une petite prise comme ça. Et donc, j'ai pris cette lampe pour mettre dans ma cuisine. Donc ça, je kiffe parce que c'est une lampe à détecteur de mouvement. Vous avez ici deux petites choses comme ceci aimantées. Donc du coup, ça, tu l'enlèves, tu le poses sur ta cuisine. Hop, hop. Et ensuite, tu vois, la lampe est aimantée. Donc ça, c'est nickel parce que du coup, tu peux la recharger. T'as pas besoin de pile. Hop, encore du packaging. T'as pas besoin de pile. Et du coup, eh ben tu peux la brancher ici, juste là. Ok, donc tu as des petits boutons juste là.
Et tu as plusieurs modes de lumière. Et donc, c'est bien parce que tu la mets comme ça, détecteur de mouvement, hop, ça s'éclaire. Tu peux choisir, je pense... Ah oui, ok. Ouais. On voit pas très bien, mais tu as plusieurs modes, en fait. Donc ça, c'est cool pour te faire une petite ambiance. Et je pense aussi que... Ouais, tu peux choisir le mode on-off, donc ça fonctionne toujours. Ou tu peux choisir le mode détection, détecteur de mouvement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça est très sympa. Et le fait... Soirée disco. Et le fait que, du coup, que tu puisses la retirer pour la recharger, et surtout la retirer, genre, imaginons, t'as une coupure d'électricité, tu prends ça et tu t'éclaires, c'est super sympa. Et vu que t'as pas de pile, bah c'est cool. Il y avait plusieurs tailles. Moi, j'ai pris la taille la plus grande et je trouve ça trop cool. Ça, je vais l'installer directement, hop, dans ma cuisine, juste après. Ensuite, j'ai pris ça et je suis super contente parce que ça va être juste stylé de ouf. Ça va être trop beau. Ça, je vais l'installer dans mon jardin. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente de fou. Franchement, je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à moi. Ok, parce que je fais des petites vidéos. Mais c'est aussi grâce à vous que j'ai la chance d'avoir des collaborations comme ça et de recevoir des choses utiles ou futiles, hein, suivant ce que j'ai envie d'acheter. Est-ce qu'on fonctionne bien? Oui, nickel. Et de pouvoir améliorer un peu mon quotidien. Et je ne veux pas de commentaires à genre en mode « Oui, nanana, tu pollues la planète, tout ça. » C'est bon, on est là pour se divertir. Mais voilà, je vous remercie énormément. Je vous remercie de ouf. Voilà, je vous remercie de ouf d'avoir la chance d'avoir des collaborations comme ça et de recevoir ce genre de produits. Alors là, du coup, j'ai pris des lampes solaires comme ceci. Donc, elles se présentent comme ça. Pareil, avec un détecteur de... Waouh ! Je n'étais pas prête ! Pareil, avec un détecteur de mouvement. Ok. Donc, c'est des lampes solaires, comme je viens de le dire. Hop. Par contre, là, ça envoie. Hein. Ça envoie de ouf. Ça va être... tellement stylé sur ma mode. Hop, faut que je regarde la notice, mais ça va être tellement stylé. Ça va être stylé de ouf là où je vais l'installer. Ça va être trop beau. Donc, tu peux choisir, soit tu peux choisir d'en prendre une, soit tu peux choisir d'en prendre deux. Moi, du coup, j'en ai carrément commandé deux. Alors, du coup, comment ça se présente? Alors, ça se présente comme ça, mais tu as plein d'autres choses à l'intérieur. Hop. Tu as vu comme c'est bien emballé? C'est sympa. Ok. Ah, c'est cool, parce que... Ok, t'as des petites vis comme ceci, t'as ce qu'il faut. Ça va être déjà le bazar ici. Ça va être déjà le bordel. Donc t'as des petites piles pour la télécommande qui est juste là. Donc la télécommande, c'est chouette parce que tu peux choisir que ça s'allume. T'as plusieurs modes et tu peux choisir de la laisser allumer 5h, 2h, 4h ou 6h, plus ou moins fort. Donc ça, c'est trop cool. Le fait qu'il y ait la télécommande, bah franchement, c'est super sympa. Et ensuite, tu as... Hop, j'essaye de m'organiser un peu. Tu as du coup les lampes que je viens de te montrer. Je découvre avec vous, hein. Ça je découvre vraiment avec vous. C'est trop stylé. Et tu as du coup ce panneau solaire là que tu vas installer où tu veux. Ok, tu l'installes où tu veux. Ah bah du coup, si, la longueur de câble est carrément suffisante. Donc ouais, tu installes ce petit panneau solaire. Comment tu fais? Hop là. Ok. Désolé pour le bruit. Ouais, du coup, tu installes ça où tu veux, comme ça. Moi, je vais le mettre en haut de ma pergola. Ah, tu fixes, du coup, le panneau solaire. Et avec ton câble, bah, du coup, tu installes tes deux petites lumières. Hop. Avec ça. Tu fais ça. Hop, tu vois un petit peu l'idée. C'est trop bien, c'est trop stylé. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, ça va être stylé de ouf avec le... Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de vous montrer ça une fois installé. Pour information, j'ai chaud. Mais pour information, peut-être que tous les produits, je vous les montrerai pas en live, tester et tout. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à zioter mes vlogs parce que ce genre de produits, par exemple, je vous les montre dans des vlogs, je vous montre... comment je fais pour les installer, tout ça. Parce que ici, c'est Bibi. Ici, c'est Bibi qui fait tout ce qui est bricolage et amélioration de la maison. Donc ça, c'est trop cool. Je suis contente et j'ai vraiment très, très, très hâte d'installer tout ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Je l'avais vu dans une vidéo de mon ange et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. C'est une machine à bulles.
Vous avez également des stickers comme ceci qui sont vendus avec. Alors, dans sa vidéo, Marie disait que ça faisait du bruit et que ça chantait Noël et tout. Alors, par contre, j'espère qu'il n'est pas cassé parce qu'il y a un bruit comme ça. Je vais mettre des piles à l'intérieur. Donc, en fait, comment tu fais? Comment tu fais pour mettre... Faut que j'envoie un message à Marie, faut que je lui demande. Parce que là, tu as une ouverture ici. Ah, ok, non, c'est pas cassé du tout. C'est pas cassé du tout. Là, tu as une petite bouteille. Ok, oh, c'est stylé. Ok, donc tu as ceci où tu mets le produit à bulles à l'intérieur. Ensuite, tu as ça. Tu le... t'enlèves le capuchon et tu mets à l'intérieur et tu vises, tu vois, tout simplement. Ok, donc non, c'est pas cassé. Ah, je pensais pas que c'était comme ça, c'est bien. Et ici, du coup, tu mets les piles. Dans notre réservoir ici, tu mets les piles. Hop. C'est des grosses piles. Et j'ai prévu le coup parce que j'ai tout ce qu'il faut. Ça, j'ai hâte de tester. Les gamins, ils vont kiffer. Seul truc qui va être peut-être lourd, c'est que ça fasse de la musique de Noël. Mais c'est pas grave! J'en ai pas trouvé sur sans musique, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez. Pour trouver, alors c'est parti. Ah non, ça fait pas de musique de Noël, mais par contre, qu'est-ce que ça gueule ? Ça fait de l'air et du coup ça va défoncer, ça va être trop bien, ça fait de l'air. Mais ouais, par contre ça fait du bruit. Hein. Ça fait du bruit, on dirait un Boeing 747. Mais j'ai hâte de tester l'efficacité de ce produit. J'ai pris ça. Quand je vous disais qu'il y avait des choses estampillées de franchise Harry Potter et tout, je me suis laissée tenter. C'est ma première baguette de sorcier. J'ai pris la baguette d'Harry. Ok, elle se présente comme ceci. C'est une baguette en résine. Elle est comme ça, et mine de rien, je la trouve assez stylée. Elle a juste un petit défaut ici, tu vois, elle est pas totalement, pas totalement peinte ici, et là aussi, et elle est comme ça. Cœur de dragon, plume de phénix, le bout est comme ceci, et je la trouve assez stylée. C'est les vieux ça, pas les vieux ça. Non, je trouve ça assez ouf. Je ne sais pas où je vais la mettre. Aucune idée. On va la mettre là. Vous la voyez pas, mais elle est là. Ensuite, et je suis super contente d'avoir une baguette. J'ai pris ça. Tiens, on va ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ça, je me suis dit que ça pouvait être grave stylé de ouf. C'est une... Alors, faut regarder les... Ouais, c'est quelque chose à construire. Ok, c'est quelque chose à construire. Donc, tu as tout le mode d'emploi ici. Il ne faut pas le perdre. Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc, ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose à construire comme ceci. Ah, je pensais pas que ce serait comme ça. Oh, t'as plein de petites choses. J'espère que le modèle est super bien expliqué. Ouais. Ok, c'est... ça sent bon. Hop, c'est un espèce de kit, en fait, pour créer une boîte à cadeaux. Une boîte à cadeaux, t'as même les petits fils et tout, tu vois. Et pour créer ceci. Quand tu vas l'ouvrir, en fait, la personne... Ah, ça va être... Non, ça va le faire, j'ai l'habitude des créations. J'espère que ça va le faire. Mais du coup, tu peux mettre à l'intérieur des photos, ce genre... Enfin, ouais, tu mets plein de photos et tu peux mettre également... Également une surprise. Et je trouvais ça chouette, du coup, quand la personne elle ouvre, bah, il y a tout qui se déplie. Par contre, j'aurais pas pensé que c'était en mode il faut tout créer toi-même. Parce que du coup, faut être vachement, désolé pour le bruit, faut être vachement soigneuse et il faut bien respecter les consignes. Donc, ça, j'ai hâte de le faire parce que si ça donne ça à la fin, ça va être stylé de ouf. Ça va être grave stylé. J'ai pris une veilleuse comme ceci. J'ai pris une veilleuse comme ça. Je sais qu'on a des veilleuses à la maison, tu vois, mais. Plus tard, on aura besoin du coup de veilleuses supplémentaires et donc du coup si je peux voilà grâce à mes collaborations permettre que qu'on ait des choses en plus pour le futur voilà j'ai pris ça donc il y a une petite télécommande comme ceci et ça les enfants ils vont être grave contents de ouf
Donc du coup, ouh, trop bien, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà. Est-ce qu'il y a des piles? Ma petite télécommande, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Il y a un petit truc comme ceci pour enlever la petite sécurité. Et donc du coup, alors tu peux la laisser brancher sur secteur ou alors tu la recharges. Et donc du coup, tu choisis. C'est trop bien. Tu choisis la lumière. C'est trop cool. Et ce qui est bien, parce que tu peux choisir que ça laisse allumer 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Donc ça, c'est bien. Pour les enfants, hop, tu les mets sur... tu les mets sur 2 heures et puis sur 1 heure et puis après c'est marre. Non, c'est cool. Franchement, c'est grave cool. Le fait que j'ai une petite télécommande et tout, comme ça, c'est super. Il n'y avait que ce modèle-là comme ceci. Donc c'est du plastique, hein, c'est pas du bois, c'est une imitation bois. Mais non, c'est super stylé et ça va être chouette. Par contre, il n'y a pas de chargeur. Ah si, il y a un chargeur. Si. Autant pour moi, il y a un petit chargeur comme ceci, USB, comme d'habitude. Non, ça va être grave cool. Ça va être très très bien pour les enfants. Je pense notamment à mon fils et c'est cool. Il va être super content d'avoir une petite veilleuse comme ça chez papa. Ensuite, j'ai pris ceci, des bacs à glaçons, tout simplement parce qu'au taf, on n'a pas de bacs à glaçons. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc c'est quelque chose en silicone comme ceci, donc ça c'est pas mal pour laver. Et là, ce sont des bacs à glaçons en tête de mort. Et en tête de mort, et puis en tête de mort de... comment s'appelle, comme dans Coco, là, je me souviens plus de la ville, mais c'est archi stylé, donc du coup, ça va te faire des glaçons comme ça, et je trouvais ça trop bien. Seul truc qui est un peu chiant, du coup, c'est que c'est en silicone, donc du coup, faut faire attention, mais voilà, tu prends bien, ouais, tu prends bien le truc comme ça, quand tu vas le mettre directement dans ton compartiment de congélateur, et ensuite, ça te fait des petits trucs. Ça aurait été juste bien qu'ils mettent le cerclage en dur, comme ça, t'aurais pas à galérer comme ceci. Et non, c'est grave chouette. Je trouvais ça grave stylé de ouf. Trop stylé. Trop stylé. Ça va être un bazar ici. Ceci. Alors, je me suis pris un petit patch. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais l'ouvrir pour voir ce que ça va donner. Mais je me suis pris ceci. C'est un petit patch. J'ai chaud. Un petit patch pour cacher le tatouage. Donc ça se présente comme ceci. Vous savez que j'ai un tatouage ici. Et c'est vrai que des fois, j'en ai marre de le voir. J'en ai un petit peu marre. Et donc, en fait... Ouais, ok. Donc, je vois, vous avez quelque chose comme ça. Ensuite, tu colles ça sur la peau et tu enlèves le film plastique là. Et en fait, ça peut couvrir ton tatouage. Alors, du coup, je pense que ça va se voir quand même, tu vois. Mais quand je fais des vidéos, ce genre de choses, des fois, peut-être que je n'ai pas envie forcément qu'on voit mon tatouage. Donc, je me suis dit que ce genre de choses, ça pourrait être pas mal. Et j'ai également pris aussi autre chose, un peu dans le même... Dans le même domaine, même si je suis un peu déçue parce que ça a coulé. Après, il fait énormément chaud en ce moment. Mais c'est ceci, une petite boîte comme ça, qui te... Dedans, à l'intérieur, tu as deux produits. Donc, tu fais ta petite mixture et ensuite, tu... dans un espèce de fond de teint, en fait, pour cacher les tatouages. Donc, je crois que tu as un produit... Ouais, tu as un produit... foncé et un produit clair. Voilà, malheureusement, ça a coulé. Après, c'est pas grave, hein, je vais laver tout ça. Tu as... des petites touillettes et une petite spatule pour pouvoir faire ton mélange idéal. Et ensuite, ça va te faire un fond de teint super couvrant. Alors, il faut bien sûr mélanger les deux produits. Hein. Mais ensuite, c'est censé te faire un tatouage, un espèce de fond de teint super couvrant pour pouvoir effacer le tatouage, en fait, pour pas qu'il se voit. Voilà, si t'as envie de sortir ou ce genre de choses. Après, il faut faire attention parce que forcément, ça va être quelque chose que tu vas... Bah, ça va faire du fond de teint. Donc faut faire attention à pas se frotter les vêtements ou ce genre de choses. Donc ça peut être bien, je vais juste le passer sous l'eau et puis le nettoyer et on va voir ce que ça va donner. J'ai pris ça, je suis super contente d'avoir pris ça. J'ai pris ça pour ma chouquette, mais laisse-moi un commentaire si t'as la rêve tout de suite là maintenant, parce que ça me rappelle tellement ma jeunesse. Donc ce sont des espèces de petites pilules comme ceci, ok. Et en fait, ce sont des rouges à lèvres. Chaque petit... Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'était sûr. Et ils sont juste un peu chiants à ouvrir. Donc, je pense que je vais tous... Je pense que je vais les offrir pour Noël et que je vais tous les sortir ensuite. Ça va. Oh, ça va. En fait, quand on a enlevé un, t'arrives à enlever... Non, si, globalement les autres. Je vais vous en montrer trois. Et ça, je trouve ça trop chouquette, trop bien pour une petite fille. Alors attention, hein, une petite fille 5-6 ans hein, qui va pas mettre les choses à la bouche et bien expliquer que c'est des rouges à lèvres et que c'est pas des pilules, hein, bien sûr. Et en fait, c'est des tout petits rouges à lèvres comme ça.
Ça sent absolument rien. Et voilà, il y a plein de couleurs différentes. Et moi, je trouve ça ouf parce que je me souviens que ma mère, elle avait ça quand j'étais petite. Elle avait ce genre de choses. Les couleurs sont super sympas, en fait, je trouve. Donc, tu as 12 couleurs différentes. Et je trouve ça... Bah, je trouve ça super chouette. Les petites pilules, comme ça. Bien sûr, oui, c'est sûr, hein, faut faire attention. De toute façon, c'est quand même gros, mais... Justement, faut faire gaffe que les enfants ne les avalent pas. Et ça s'efface assez facilement, tu vois. Donc, du coup, pour un enfant, c'est plutôt pas mal. Et je trouvais que le packaging était très, très, très sympa. Comme ça, je trouvais ça archi cool. Chouquette, elle va être super contente. J'ai ensuite pris ceci. Et grave contente de ouf, en fait. Tu vois, par contre, je sais pas où je vais le mettre. J'avais déjà eu ce genre de choses. Donc, c'est pareil, une lampe, enfin, une lampe connectée. Oh, il y a une petite... Une petite télécommande aussi. C'est une... Tu as les vis. Hop. C'est une lampe connectée. Et ça, c'est trop stylé. J'en ai une au niveau de ma machine à bois. Et franchement, elle fonctionne de ouf. Donc, c'est exactement le même type. Ah non, c'est pas le même type. Regardez-moi ça. Ça se présente comme ceci. Donc, du coup, ici, tu as le bras. C'est de la... Franchement, c'est de la bonne qualité. C'est pas de la très bonne qualité. Enfin, quoi que si, c'est de la très bonne qualité. Si, c'est de la très bonne qualité. Alors, du coup, tu as le bras ici. Donc, ça, c'est un peu chiant. Alors, je te conseille, pour pouvoir mettre le bras, de voir où tu vas positionner le truc, tu vois. Ensuite, de avec une petite vis, un petit tournevis, d'enlever le bras. Comme ça, sera plus facile, en fait. Tu auras plus de marche pour pouvoir fixer tout ça. Et donc voilà, tu fixes ça où tu veux, ça fonctionne au solaire, donc ça c'est nickel chrome. Et du coup tu as, alors est-ce que, non ça s'allume pas, alors est-ce que tu as un bouton quelque part, est-ce que tu as plusieurs modes, voir c'est juste la télécommande. Ah, comment ça, oh, ah ok, le bouton est juste là, il est juste là. Donc, du coup tu as plusieurs Ah, t'as plusieurs modes de lumière, donc normalement c'est censé fonctionner. Voilà, tu vois là, je suis en train de cacher. Voilà, là, attends. Ça va, j'ai une grande robe. Hop là. Voilà, tu vois, quand le soleil va se coucher, que tu vas passer à côté, et ben du coup, hop, ça va s'allumer. Donc c'est archi... Bonsoir. C'est archi stylé, et ça, ça peut être très très sympa. Et ce qui est cool, en fait, du coup, c'est que tu l'accroches comme ceci, tu peux, en fait, positionner, le seul truc qui est fixe, c'est celui-là, et tu peux positionner tous les autres, en fait, en fonction, mais vraiment, tu vois, tu peux les mettre dans tous les sens, enfin, presque tous les sens, mais du coup, tu peux les positionner où tu veux, par rapport à ce que tu veux que ça éclaire. Donc ça, ça peut être pas mal pour un parterre, pour une statue, pour ce genre de choses. Donc c'est super cool. Ouais, tu peux même faire ça et tout, tu peux... T'as plein de possibilités. C'est très flexible et non, ça c'est top. Ça c'est franchement top. Et moi je te le dis, j'en ai un de ce style-là et il m'a déjà fait... ça fait déjà un an que je l'ai positionné et il fonctionne très très bien au détecteur de mouvement quand tu... quand tu rentres près du bois, et ben ça s'allume, tu vois. Donc des fois je sais des fois je sais où est mon chat. Et t'as plusieurs modes, en fait. Je pense que t'as un mode où ça dure plus ou moins, voilà c'est ça, t'as plusieurs modes. Il y en a un où ça dure 20 secondes, il y en a un où ça dure 30 secondes. Donc ça c'est cool, faut regarder la notice pour pouvoir changer les modes. Franchement, il s'est allumé. Franchement, je suis grave contente de ouf d'avoir tout reçu ces produits. J'ai hâte de les essayer. Comme je vous ai dit, s'il y en a, je pense aux lampes par exemple, je n'ai pas forcément les utiliser tout de suite. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder les vlogs parce que c'est là-dedans que je vais les mettre. Je vous remercie de m'avoir regardé. Merci à Timou de m'avoir envoyé tous ces produits gratuitement. Si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là et à regarder cette autre vidéo qui est ma première vidéo avec Timou. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.